Bon matin, la gang. J'espère que vous allez bien. Il est présentement environ 9h20. Je viens tout juste de déposer Amelia à la garderie. Un matin, ça s'est super bien passé pour aller la porter à la garderie. Je vous dirais pas que ça s'est très bien passé à la maison, mais elle voulait juste pas s'habiller, mais elle m'a aidé à changer la couche à l'horaire. Elle m'a aidé à faire d'autres choses. Mais quand c'était venu le temps de s'habiller, c'était autre chose qu'elle voulait pas. Mais c'est pas grave. Hier soir, c'était ma soirée toute seule, solo mom, parce que mon chum, il y avait une réunion du syndicat qui s'est terminée à 8h. C'est terminé 8h. Mais non, à 7h. Mais il est arrivé vers 7h30, 8h. J'ai été capable de donner le bain aux deux vers 5h et quelques. Après ça, ouais, 5h et quelques, je me gâte. J'ai reçu mes allocs aujourd'hui. Hein. On va aller chez Cora. Le Cora qui est pas loin du Costco. Hein. Il y a le Cora qui est bon, puis il y a le Normandin aussi qui est sur Pierre Bertrand. Ben, pas loin de Pierre Bertrand. Mais je vais sûrement aller plus au Cora. Parce que je suis collée sur le Costco puis je suis le maxi. Ouais, c'est ça. Hier, ma soirée, ça s'est super bien passé. J'ai peut-être vécu deux crises avec Amelia. Il y a juste le lot qui s'endurait pas. On était journée post-vaccin hier. Fait que, je peux comprendre. Mais j'ai réussi à l'endormir dans mes bras. Et quand mon chum est arrivé, il l'a déposé dans notre chambre, dans la bassinette. J'ai lu une histoire à Amelia. C'est le souper qui a été autre chose. Parce que le souper, j'avais fait après le bain, je leur ai dit, j'ai dit à Amelia, on fait du riz, est-ce que t'en veux? Elle dit oui, j'en veux. Mais finalement, elle n'a pas mangé. Fait que j'ai fait du riz genre pour rien, mais c'est pas grave. Il est dans le frigo. Du riz, c'est dépanneur, fait que ça se mange avec n'importe quoi. Puis il me reste encore du poulet d'hier. Et je peux faire un riz au poulet prochainement avec des légumes. Je peux faire un riz aux crevettes, mais j'ai plus de crevettes là, mais vous comprenez. Je peux faire un riz avec plein de choses. Fait que c'est ça. J'ai pas filmé ma soirée parce que j'étais occupée avec les deux enfants. Fait que. Mais ça n'a pas été la crise, genre mon chum, quand mon chum est parti, qu'Amelia a fait la méga crise et tout. Hein. Je vous ai mis un vlog hier en fin de journée, il me semble. Hier en fin de journée ou en soirée. Le vlog du 18 de lundi. Ouais. Là, j'ai pas fait le montage encore du vlog d'hier, vu que j'étais pas mal occupée hier soir, vu que j'étais seule. Puis quand c'est venu le temps que mon chum est arrivé, puis j'ai écouté mes émissions, quand les enfants étaient couchés, j'ai écouté mes... Je vais peut-être faire le montage tantôt, mais là, aujourd'hui, c'est encore la tempête dehors. Je vais vous montrer. On voit la route en face quand même. C'est glissant. C'est vraiment l'hiver qui est revenu. Là, je sais pas s'il annonce. Je sais que dans le coin de Sainte-Sophie, il annonce des froids extrêmes, là, genre moins 21. Mais c'est pas extrême, là. Mais pareil, c'est froid pareil. Sûrement qu'on va les avoir ici aussi, les températures froides. Dans le fond, on a vraiment tout. La température qu'on était supposé d'avoir en novembre, décembre, janvier, qu'on n'a pas eu. On a comme, les saisons sont comme virées à l'envers. On a eu comme le printemps avant l'hiver. Parce qu'à Noël, il n'y avait pas de neige. Ouais. Fait que c'est ça. Je m'en vais manger chez Cora parce que j'ai envie de manger des crêpes ce matin. Des crêpes. Avec du sirop d'érable, puis surtout un bon café. Après ça, je vais aller au Costco. J'ai encore ma crème. Mais en fait, j'ai l'application Costco, une chance que ça fonctionne. Ben, c'est mon chum que la carte Costco.
$1,19. C'est du pain de graines, multigrain, de lin et quinoa, avoine et miel, 12 grains, 14 grains, canneberge et trucs. Je me souviens plus de toutes les sortes par cœur, mais de full de sortes. Fait que c'est sûr et certain que je veux en profiter puis faire une bonne batch de pain à mettre dans le congélateur. Parce qu'on a quand même des mangeurs de pain ici. Amélia, des fois, quand elle ne soupe pas ou qu'elle déjeune, ben, elle déjeune pas. Un matin, elle a déjeuné une pâte douce pour déjeuner. J'aimerais tellement ça reprendre le contrôle de ma fille pour manger et donner des vrais déjeuners. Je vais manger des fruits, des bananes, fait que je vais y faire des assiettes de fruits, morceaux de bananes, céréales. Céréales, elle n'en mange pas de lait. Des bons déjeuners. Là, je veux continuer de pousser à y donner des bons repas, même si c'est difficile. Hier, j'avais fait une assiette avec du riz puis du poulet. Elle l'a pas mangé. Je pense que je vais recommencer à donner des mini portions. Puis si elle a encore faim, elle en demandera. Parce que hier, finalement, au final, elle a même pas soupé. Elle s'est couchée avec un lait. On dirait qu'elle s'en empêche puis elle attend de boire son lait. Et je crache vert encore un matin, puis un matin j'ai encore failli vomir tellement que je crachais. Il y avait un gros mouton qui voulait pas sortir. Comme un mouton vert épais là. J'ai peut-être envie aussi de m'acheter peut-être au maxi ou... Je pense qu'il y en a au Costco, mais je vais peut-être plus l'acheter au maxi. Une carte cadeau, pas une carte cadeau, mais une carte de crédit prépayée. J'ai pas payé la mienne encore. Pour essayer d'encourager les compagnies d'ici, comme la cidrière, les chandelles, ou Création Jade, les trucs de bébé. J'avais déjà commandé dans le passé, quand j'étais à ma première grossesse de ma première fille, là, à Meilla. J'avais acheté plein de jouets dentition. Puis le pire, c'est que je les ai encore, les jouets dentition. J'ai encore le petit pingouin en bois, le pain, le cornet de crème glacée, mais je sais juste plus ce qu'ils sont vendus. Mais je les ai encore. Puis Création Jade, je me souviens plus de où ça vient. Sinon, il y a aussi la Chic Molaire dans le coin de Rimouski. Dans le coin de la Gaspésie. C'est une amie, ben, une fille avec qui j'ai parlé longtemps, qui est une de mes abonnées sur Instagram. Désolée là, si vous avez de la misère à m'entendre parce que je suis encore en train de perdre la voix. J'ai pas retrouvé ma voix à 100 000%. Puis il y a du bruit dehors à cause de la tempête, puis parce que je suis sur l'autoroute. Mais je sors bientôt. Sur la rue Bouvier. Je vais peut-être recommencer à m'acheter un petit peu d'alcool vu que je prends plus de mon traitement. J'ai terminé de prendre mes grosses méga pilules. J'ai juste ma pompe. Là, je ne l'ai pas pris le matin. Je pense que c'est la pompe aussi qui aide pour les mucosités dans la gorge. Ça les fait décoller. J'ai quand même bien dormi, mais j'ai viré rond un petit peu. Ah, puis un matin, j'étais capable de me tirer un 60 ml. J'aurais pu continuer, mais à un moment donné, il y
il fallait que j'aille porter Amélia à la garderie. Fait que même que je revienne du Costco, je vais aller me tirer d'autres laits. Le gaz est à 1,52 pour ceux qui sont membres Costco. Je trouve que dans le coin d'ici, là, il n'y a pas grand restaurant. Il y a un tout petit fruitier pas loin de Village des Valeurs. Ça fait un bout non plus que j'ai pas été faire un tour au Village des Valeurs. Je préfère plus aller à la ressourcerie qu'au Village des Valeurs. Mais il y a Cora là-bas. Il y a Boston Pizza, mais je pense pas qu'on peut déjeuner chez Boston Pizza. Au Costco, il n'y a pas de déjeuner. Une chance que j'ai pas besoin d'embarquer sur l'autoroute parce qu'elle a d'avoir du monde sur de la capitale. Fait que moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était juste pour introduire la journée. Fait que on va se reparler un peu plus tard. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 1h21 et je reviens des commissions. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps que ça. Je suis partie un matin porter Amélia à la garderie. C'est vrai que je suis partie de la maison, il était 9h. Après ça, je suis allée déjeuner, je suis allée au Costco, puis chez Maxi, j'ai pas été de Dollarama. Je vais y aller demain ou une autre fois. Ça presse pas tant que ça. Fait que je vais vous montrer mes achats. Ça m'a coûté 300 quelques chez Costco. Ça m'a jamais coûté autant que ça. Mais j'ai full de trucs, puis il y avait full de trucs en spécial. Je me suis même retenue de prendre plusieurs choses. Fait que j'ai pris deux sacs de lait parce que vous savez, le lait passe vite. Des danoises à l'érable et au pacan. C'était 6,99$. Des piments, ils étaient à 8$. La vanille était 9. C'est toujours pratique. C'est celle-là que je prends pour cuisiner. Des cashews au chocolat en bas de 10$. J'ai repris des pois mange-tout parce que c'est tellement bon. Je mange en chip. C'est les meilleurs du Costco. J'ai acheté du yogourt comme ça quand je vais me faire des bols de yogourt avec graines de chia. C'était 9. 8,49 ou 9,80. Des bananes, du ketchup, parce que le ketchup que j'ai actuel, il est dégueulasse. Il goûte plus le vinaigre que le ketchup. Fait que j'ai racheté le Heinz. J'ai acheté des framboises, du beurre d'érable, un brie. Il était tout en bas de 10$, donc j'en ai profité. Il y avait ce Oka-là à l'érable que j'ai peur de goûter. Tiendrai au courant, je l'ai jamais goûté. Des mini tomates pour faire des salades. Un vino blanco de Stefano. C'est lui qui est animateur à MasterChef Québec. Puis il était à 11,99$ que j'en ai acheté. Il était vraiment pas cher. J'ai racheté des mini eggs. Là, c'est pas la marque mini eggs de Cadbury. Là, c'est Hershey. C'était 7,49$, fait que c'était vraiment pas cher. Parce que je veux refaire les biscuits que j'avais fait au mini-egg, mais je vais faire ça avec les Edgy. Ça va être délicieux. Puis peut-être en grignoter un petit peu comme ça. La margarine. Le yogourt Activia probiotique. Il était à 8,49$. Il y avait un 2$ de rabais, fait que j'en ai pas. J'ai acheté un sac de pommes de terre. Les croissants étaient 6,99$. J'en mange une partie au congélateur, puis une autre partie dans l'armoire. Ils sont bons jusqu'au 24. Bouteille de vin ici, la croix d'or, un pinot noir. Faites plaisir à ma fille. J'ai racheté des pâtes douces. Des bartendes pour mon chum le matin quand il n'y a pas le temps de déjeuner ou pour ses lunchs. Cette fondue-là était 9,99$. La laitue. Et non. Ensuite, j'ai acheté. J'ai trouvé un pyjama de beau. Les autres étaient quand même beaux, mais pareil, ils étaient pas super capotés, là.
Puis j'ai acheté lui avec des petits sushis. Puis j'ai pris un 9 mois. J'ai acheté des pastilles à la vaisselle. C'est ça qui a monté le prix un peu, c'était 22,99. Ensuite, j'ai voulu gâter ma fille. J'ai acheté un petit livre d'autocollants à trip sur Mini. Fait que il y a full de collants et d'activités de Mini. Oui, mon amour. Ensuite, chez Maxi, j'ai fait une radio de pain. Pain blanc au grain entier. Pain au grain. Graines et grains. Voine et miel. J'ai fait une radio de pain parce qu'il était 2,99. Les asperges étaient 97 cents. Des nanos pour ma fille. Champignons. La crème à l'érable était sortie, érable crémeux. Bon, ensuite, pour ma fille, j'ai acheté des raisins. Des fraises. C'était 2,99. Le pain au lin et quinoa. 14 grains. Du coup, j'ai acheté un sucre, un truc de sucre. J'ai acheté un concombre, de la crème sure, du fromage à crème. Ensuite, j'ai acheté tout de suite leur fromage gelé, mais du saumon fumé. L'autre pain, un grain ancien, blé à la meule. Mélange de grains entiers et de protéines. Un pain. Puis deux eaux pétillantes. Voilà ma petite épicerie. Je me suis surtout remplie de fruits puis de légumes. C'est ce que je voulais le plus. Donc là, je vais remplir. Je vais remplir mon bol. De salade. Puis je vais m'ajouter un petit peu de au cœur à l'érable.